oui, on a changé d'heure, donc forcément. Hein? On s'est réveillé plus tôt, d'après le cadran, mais bon, c'est pareil qu'hier. Bah oui, mais oui, mais oui, il va falloir avoir encore une petite semaine pour s'habituer. Donc on se levait à 4 heures, du coup on va se réveiller à 3 heures. En tout cas, bonjour à tous, salut toi. Aujourd'hui, c'est le café numéro 145, donc un numéro que j'aimerais qu'il soit facile à retenir, surtout pour souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés. D'accord? Donc, on va faire un petit début de café assez spécial pour les nouveaux abonnés. Et comme ça, j'aurais pu à le répéter, on va pouvoir diriger les abonnés vers le café numéro 145 à chaque fois qu'on voudra leur rappeler l'historique, hein, la présentation de la chaîne Multitasman. Alors, la chaîne Multitasman, avant tout, c'est la chaîne de Jackson. Jackson, c'est la star de la chaîne. C'est un perroquet chloroptère qui a fêté ses 8 ans, hein, sur la chaîne. Vous pourrez voir, il y a des vidéos de son anniversaire. Et c'est vraiment la mascotte, la star, tout ce que vous pouvez imaginer. Et c'est mon petit bébé d'amour. Alors, pour vous présenter la chaîne, d'abord, vous avez le monsieur qui vous parle tous les jours. Mon prénom est Benjamin. Mais on m'appelle Benny, Benny. Je suis originaire de Polynésie française, né en Nouvelle-Calédonie, à 1 h 30 de l'Australie, Polynésie française, dans le Pacifique Sud. Et donc j'ai grandi à Tahiti et je suis arrivé au Québec en 2009. Et voilà, c'est ici que j'ai pu apprivoiser Jackson, que j'ai eu tout bébé. D'accord? Elle a été le premier humain quasiment, hein, avec Nathalie, qui était l'éleveur en question, je suis la première personne qu'elle ait vue. Donc voilà, alors, on a créé un lien depuis qu'elle est tout bébé. Et c'est comme ça que nous avons décidé avec Jackson de se donner un rendez-vous sur YouTube. Au début, avec des petites vidéos qu'on faisait grâce à Marc Eric, hein, un ami de la chaîne, même plus que ça, hein, c'est un des administrateurs de la chaîne avec moi. Marc-Éric, on se rencontrait régulièrement dans un parc à Terrebonne. Hein, je suis aujourd'hui au Québec, donc j'habite à Terrebonne. Et voilà, on se faisait des petites vidéos, des petits tutos, comment faire quoi que ce soit avec son perroquet, comment réagir au bec, comment apprivoiser, blablabla. Et puis on s'est rendu compte que il y a eu de plus en plus de personnes qui sont venues sur notre chaîne en nous disant merci, puis en nous posant des questions. Alors, j'ai toujours tenu à rappeler une chose qui est importante pour moi. Je ne suis ni vétérinaire, ni spécialiste aviaire, ni comment on appelle ça, comportementaliste, ni j'ai aucun brevet académique. D'accord? Comme ça, au moins, ça doit être clair entre nous. Okay. Par contre, j'ai 35 ans d'expérience avec les perroquets. Mais oui, j'ai commencé à être avec des perroquets à l'âge de 7 ans. Oui. Et donc, voilà, ça me donne 35 ans d'expérience avec des perroquets en tout genre. J'ai travaillé également dans des animaleries, dans le département des oiseaux. Donc, j'ai pu nourrir plus de 400 oiseaux à peu près, nourris à la main, que j'ai élevés, certains plus d'un an, 2 ans. Et j'ai pu approcher comme ça quasiment tous les perroquets existants. Quasiment, quasiment, on s'entend bien. Toutes les espèces de perroquets existants. Et du coup, je me suis servi de ces 35 ans d'expérience, mais surtout d'observation, hein, puisqu'il y a des règles, hein, qui dirigent cette chaîne. Il y a l'amour d'abord, hein. L'amour est important, l'amour des animaux, mais aussi l'amour des humains, l'amour entre nous, l'amour pourrait pas mal changer les choses dans le monde. Il y a l'observation, d'accord? Parce qu'en observant les autres, hein, en observant l'autre, on peut facilement savoir ses besoins, savoir ses soucis, savoir plein de choses. Hein, puis surtout, ça va nous donner envie de le respecter. Hein, c'est une forme de respect à hein, l'observation de l'autre. La logique. Hein, vous allez voir qu'à chaque fois, j'essaie d'y aller avec beaucoup, beaucoup de logique. Parce qu'avec la logique, on est capable également, bah, dans logique, il y a tout simplement l'équilibre de l'univers. Hein. Donc voilà, dès qu'on est dans la logique, bon, bah, d'un coup, ça tient la route, ça tient debout. D'accord? Et puis enfin, il y a la patience, beaucoup de patience. La patience, ça marche aussi bien avec les humains qu'avec les animaux. Hein. Si on est patient,
on apprend à connaître l'autre, on apprend à l'aimer, on apprend à partager avec lui, eh bien, ça prend de la patience, ça prend le temps de laisser à l'autre la possibilité de vous montrer qui il est et puis de pouvoir faire en sorte que vous puissiez mieux vivre avec lui. D'accord? Ça, ce sont les quatre règles de la chaîne. Dans cette chaîne, vous allez avoir plusieurs choses puisque la chaîne s'appelle Multitask Man. Pour ceux qui ne comprennent pas du tout l'anglais, ça veut dire l'homme multitâche. Donc, pour ceux qui, des fois, se disent, mais hein, pourquoi tu parles de politique? Pourquoi tu parles de féminisme? Pourquoi tu parles de l'enfant roi? Pourquoi? Parce que c'est multitask man. J'ai un oiseau, mais je ne suis pas obsédé par les perroquets. J'aime la vie, j'aime tout, donc j'aime traiter de tous les sujets. Hein. J'ai 46 ans, donc forcément, j'ai du vécu. Hein. Et oui, mon oiseau fait partie intégrante de mes journées, de ma vie, mais j'ai une vie, quoi. Je travaille, j'ai des enfants, j'ai une femme. Bref, j'ai un équilibre qui fait que voilà, je m'intéresse à beaucoup de choses et je suis passionné par exemple par la cuisine. J'adore cuisiner. Je suis passionné par les voyages. J'ai pu faire le tour du monde, donc forcément j'ai envie d'en parler. Et c'est pour ça que vous allez avoir plusieurs tutos. J'ai un chien, j'ai un chat. Donc si j'ai envie de faire une séquence de 5 minutes sur mon chien ou sur mon chat, ben, il n'y a personne qui peut m'en empêcher. C'est ma chaîne et c'est une chaîne où j'ai envie de faire ce que je veux. D'accord? Et puis c'est dans ma mentalité. Je suis là pour respecter des règles simples qui sont les règles que je vous ai déjà données, et puis les partager avec vous. Donc, à partir du moment où vous trouvez ça ringard, vous trouvez que ça ne correspond pas du tout à votre état d'esprit, à votre façon de voir les choses, eh bien, vous n'êtes pas obligé de rester. Pareillement, ici, tout le monde peut développer son idée. On est là pour débattre, d'accord? Après, il y aura des sujets sur lesquels on ne doit pas, je ne veux pas aller. Hein, c'est parce que ce sont des sujets qui malheureusement séparent les gens. Puis moi, je suis loin de cette idée qu'ont les gouvernements depuis toujours de diviser le peuple pour mieux régner. Ici, il n'y a personne qui règne. Okay? Et pour éviter donc cette division, des sujets sur les perroquets par exemple, ou sur la religion, ou sur la politique, on a le droit d'en parler, mais on n'a pas le droit de venir imposer son idée, premièrement. Et il y a des sujets comme la bouffe, la nourriture pour les perroquets. Je préfère qu'on n'en parle pas parce qu'il y a plusieurs religions. Il y a la religion de ceux qui donnent que des extrudés à 100%, la moulée ou croquette, hein, en Europe on appelle ça la croquette. Il y a ceux qui donnent que de la germination et des graines. Il y a ceux qui veulent donner des graines, des fruits, des légumes, etc. Régulièrement, on va parler de nutrition. Mais je veux vraiment pas que ce sujet soit posé sur la table parce qu'à chaque fois ça part en vrille et je n'aime pas ça. Pareillement, on parle de la coupe d'ailes, on parle de la coupe de griffes, on parle du vol libre, on parle du rappel. C'est des sujets que je suis obligé à chaque fois de recadrer pour éviter que les gens commencent à s'insulter les uns les autres, à considérer que les gens qui taillent les rémiges de leurs oiseaux pour éviter qu'ils s'enfuient soient traités comme des tyrans. Bref, donc vous allez voir sur la chaîne qu'il y a plusieurs fois les sujets comme ça qui sont traités. Donc, vraiment, je vous invite. Hein, si vous venez d'arriver, si vous êtes un nouvel abonné, de faire le tour des vidéos, hein, ne restez pas que sur le petit café. Vous avez plusieurs playlists, hein, vous avez une playlist qui s'appelle Benny et les oiseaux, vous avez une playlist Faut rigoler avec Multitasman, vous avez une playlist Tout le monde à table, hein, c'est sur la cuisine. Bref, vous avez plusieurs comme ça playlists, allez les visiter parce que c'est la meilleure façon pour vous d'avoir un état d'esprit global de ce qui se passe ici sur cette chaîne. Alors bien sûr, un élément important de la chaîne a été la création du petit café, ce fameux petit café que vous êtes en train de regarder en ce moment, qui s'appelle en fait Viens prendre un café avec moi, on parle de tout et de perroquet. D'accord? Alors encore une fois, beaucoup de gens, ouais, pourquoi tu veux parler d'autre chose? Nous, ce qui nous intéresse, c'est les perroquets. Ben, si c'est que les perroquets qui t'intéressent, ben, tu as des chaînes pour ça. Tu as des chaînes YouTube où ils font parler que de ça, avec des gens plus ou moins intéressants d'ailleurs. Il y a des gens même très très intéressants. Mais voilà, c'est des gens qui ont un perroquet et puis ils ont voulu faire une chaîne avec ça. Mais ils n'en avaient pas plus d'expérience que ça. Bref,
Vas-y. Eux, là, tu vas les voir, tu vois, ils savent parler que de perroquets. Il n'y a rien d'autre dans leur vie. Donc, go, si tu veux ça, il n'y a pas de problème. Il n'y a jamais personne qui va te forcer tous les jours à regarder le petit café du matin. Mais ce petit café a permis à la chaîne de passer de moins de 1000 abonnés à plus de 2000. Aujourd'hui, on est plus de 2350, je pense, un truc comme ça, en l'espace de quelques mois. Pourquoi? Parce que le petit café, c'est tout simplement un rendez-vous que je vous donne tous les jours, du lundi au vendredi, exclu les jours fériés français et québécois. Mais tous les jours du lundi au vendredi, on vient se retrouver et je lis les messages de chaque abonné qui m'aura écrit, qui m'aura posé des questions, mais qui peut aussi parler d'un autre abonné, qui peut parler de ses problèmes avec sa famille. On parle de tout et de perroquet, mais on parle de tout. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ça a créé des liens. Ça a créé des liens entre toi et moi, entre toi et les autres abonnés. Et du coup, on parle plus aujourd'hui d'une communauté. D'accord? Alors, ok, on est bien d'accord, pas de secte, pas de, il n'y a pas tout ça là. On est bien d'accord que ça reste une communauté sympathique, une communauté amicale, des gens qui s'aiment, qui se le disent. Et si on a réussi à faire ça, c'est parce que j'ai voulu absolument imposer que ce soit sur la page officielle Facebook qui s'appelle Multitasman ou sur la chaîne, lorsque vous nous écrivez, j'ai imposé des règles de respect qui sont simples. On ne commence pas un post sans dire bonjour, sans dire salut. Sans dire coucou, comment que ça va? Sans avoir un moment de politesse et de salutation. Comme si qu'on se retrouvait tous ensemble avec toi, 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 et toi, dans un grand café. Et en imaginant qu'on arrive dans ce café, on sait que c'est que des copains qui sont dans ce café-là. Eh ben, pour moi, le minimum, c'est de rentrer en disant salut tout le monde, salut Michel, salut Dave. Oh, Sandrine, Valérie, oh, coucou Mioko, salut l'oncle Dan, Marc-Éric, voilà, tout simplement, on se dit bonjour. J'ai fait exprès d'oublier Laurent, hein, Laurent Delicato, là, j'ai fait exprès de l'oublier, là, vous allez comprendre à la fin pourquoi. Et donc, on a créé des liens, on a créé des liens sympathiques avec Fab, avec tous ces gens-là aujourd'hui font partie intégrante de mon quotidien. Et on en a qui sont plus jeunes. On a Jérémy, on va avoir des gens qui ont des pseudos, Gabi la Zombie par exemple. On a des gens qui sont des artistes comme Magali Garnier. On a des gens qui sont des super cuisiniers, hein, et puis avec qui j'ai sympathisé, qui s'appellent comme Stéphane par exemple. Stéphane qui est un chef cuistot. Et puis là, on est en train de parler de se préparer une vidéo spéciale où on va faire un concours. Donc, nous avons créé des liens. J'ai même un Bernard en Corse qui me demande si ça m'intéresse d'aller là-bas comme invité spécial pour une conférence aviaire. On est en train de développer une vraie relation amicale. J'ai eu le plaisir, vraiment un grand plaisir, et puis partagé avec mes enfants et ma femme, de recevoir une abonnée. Hein. C'était au mois de septembre, on a reçu Sandrine Bénézé, qui a passé une semaine ici, dans mon domicile, pour pouvoir partager une semaine québécoise où on a pu aller visiter des endroits magnifiques du Québec et surtout partager des heures de conversation pour faire mieux connaissance. Puis aujourd'hui, Sandrine est notre amie. Vraiment, elle fait partie intégrante maintenant de notre histoire, de notre famille, et puis elle le sait, et puis elle peut revenir ici quand elle veut, ses enfants peuvent venir ici quand elle veut, sa maman est la bienvenue, enfin bref, voilà, c'est ce genre de relation que j'avais envie de créer avec mes abonnés, et il semblerait que c'est quelque chose qui n'existe pas sur YouTube, en tout cas beaucoup de gens me disent, mais écoute, j'ai jamais vu ça sur YouTube, le fait de vous mettre en valeur et de faire en sorte que vous puissiez partager avec moi, mais avec tous les autres abonnés, ce que vous pensez de vos oiseaux, ce que vous pensez de la vie, ce que vous pensez de la politique, ce que vous pensez. Bref, on est là vraiment pour créer quelque chose qui monte tout doucement. Hein. Puis, à aucun moment, l'idée de vouloir faire 25 millions d'abonnés fait partie de la comment on appelle ça, des objectifs. L'objectif, c'est surtout la qualité. La qualité des gens qui se retrouvent ici dans ce petit café tous les jours. Un petit café pour moi, c'est quand même 4 heures de travail à peu près. D'accord? 4 heures, pourquoi? Parce que je dois lire tous vos messages, en corriger quelques-uns pour pouvoir les rendre lisibles. Ensuite, faire le tournage, et après faire le montage, puis après faire les rendus pour pouvoir les mettre sur YouTube.
les mettre sur YouTube. Donc, comme c'est des cafés qui font à peu près entre 30 et 50 minutes, ben, à chaque fois qu'on fait un rendu, c'est à peu près la durée du film. Donc, voilà, c'est à peu près 4 heures en tout de travail. Et ce que nous avons demandé, et c'était Sandrine qui avait d'ailleurs lancé ça, c'était de vous demander, s'il vous plaît, de laisser tourner les publicités. Alors, c'est sûr, des fois, il paraît qu'il y a une pub qui dure 15 minutes. Non, ça, il ne faut pas le faire, mais au moins les 30 secondes de publicité. Pourquoi? Parce que ça permettra, à un moment donné, à la chaîne, d'avoir des fonds pour pouvoir organiser des rendez-vous. Rendez-vous en France, par exemple. Un rendez-vous à Paris, où je pourrais venir vous retrouver. Et puis, tous les abonnés de Paris, on se retrouve au même endroit, dans un café, pourquoi pas, et pouvoir partager comme ça, en vrai, ou se retrouver chez quelqu'un. Hein. On fait un gros barbecue. On pourrait aller en Belgique, on pourrait aller en Suisse, on pourrait faire plein de choses comme ça. Grâce à votre participation, il faut que ça vienne de tout le monde. Il faut qu'on soit tous vraiment dans le même état d'esprit. Il n'y a personne qui profite sur personne. C'est juste l'histoire de valider cette relation d'amitié. D'accord? Ensuite, ce qui est intéressant avec le petit café, c'est que vraiment, vous pouvez intervenir à n'importe quel moment. Ce qu'en fait, je me fais votre porte-parole. Donc, vous pouvez, grâce à une adresse courriel qui s'appelle multitaskman777@gmail.com, vous pouvez m'écrire. Vous pouvez m'envoyer vos photos, vos vidéos. Vous avez envie de faire une présentation de vous avec votre oiseau, vous pouvez le faire. Ce petit café vous appartient. Cette chaîne vous appartient. Cette chaîne, c'est pas béni, c'est multitaskman, c'est-à-dire tous les gens qui, comme moi, sont des gens multitâches, qui sont capables d'avoir une vie de père, mère de famille, une vie d'éleveur de perroquets, une vie de musicien, une vie de dessinateur, une vie de ce que vous voulez, hein, et que tout le monde partage avec tout le monde. On a eu des dessins fantastiques, on a eu des choses magnifiques qui ont apparu dans le petit café. On a plein, 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 plein d'artistes parmi nous qui sont là pour partager. Et ce qui est beau, c'est qu'à part l'histoire de la publicité, on essaie de jamais parler d'argent. Mais malheureusement, c'est le nerf de la guerre. Si j'ai réussi au fur et à mesure à faire que les vidéos soient de mieux en mieux, ben j'ai dû sortir de ma poche plusieurs dollars. Okay? J'aime pas traîner sur l'argent, mais ça m'a fait plaisir parce que voilà, ça a permis d'apporter une qualité à la chaîne et de faire en sorte qu'aujourd'hui, vous soyez de plus en plus nombreux à me regarder. Okay? Mais il y a un moment donné, hein, vous comprenez bien que voilà. On est une communauté, ben dans ce cas-là, allez hop, tout le monde participe. Et je vous le dis, quand moi je passe 4 heures pour faire un café et que vous allez passer peut-être 5 ou 6 pauses publicitaires à 30 secondes en sentant que voilà, chacun y met du sien. Je ne sais pas encore comment ça va aller, mais en tout cas, en 2 ans, là pour l'instant, mes cafés ils rapportent à peine un dollar par café. Ça ne me paye même pas un café. Donc, vous voyez, c'est. Quand je vous demande ça, c'est parce que j'espère que d'ici un an, 2 ans, peut-être 3 ans, eh bien, je puisse avoir assez de fonds pour pouvoir me déplacer et qu'on puisse se rencontrer. C'est surtout ça que j'ai envie, c'est qu'on puisse se serrer la main, qu'on puisse se prendre dans les bras et qu'on puisse passer un moment comme ça magique. Le magique est quelque chose qui revient souvent avec moi parce que moi, je considère que dans un monde où il y a autant de méchanceté, autant de violence, eh bien, il faut se créer cette opportunité de pouvoir s'aimer à nouveau. Pour remettre l'équilibre en place. Et en parlant de s'aimer, j'ai créé des personnages dans mon petit café, dont un que tout le monde adore, qui s'appelle Bisou Love. Et à la fin de chaque café, vous allez avoir droit à une blague, une histoire de Bisou Love. Et aujourd'hui, je peux vous dire que il va y avoir des choses au sujet de Bisou Love, mais je garde ça pour la fin. Allez, on se retrouve maintenant avec vos questions et vos messages sur la chaîne YouTube. Alors, on va y aller avec Jo, moi, nouvel abonné. Hein. Bonjour Benny, la première chose, énorme félicitations pour ta chaîne, elle est formidable. Ça fait plaisir d'entendre ça de personnes qui débarquent. Ensuite, j'ai une question vis-à-vis de mon Araraouna, une femelle qui a maintenant 9 ans, et cela fait 4 ans que nous vivons ensemble. Je voudrais savoir si je peux poser ma question ici ou si tu préfères ailleurs. Alors, effectivement, je t'ai répondu, tu peux poser ta question directement sous la vidéo. Pourquoi tu peux le faire là? Parce que tout le monde y a accès, tous les abonnés peuvent le voir, et peut-être que des fois, moi j'ai des réponses, mais tu peux avoir d'autres personnes qui sont propriétaires du même perroquet que toi, qui vont peut-être pouvoir déjà t'aider selon les questions que tu vas poser.
hein, par rapport à leurs expériences. C'est sûr que moi, je jette toujours un œil sur les réponses pour voir si ça tient la route. Alors, lorsque vous écrivez sur la chaîne Multitasman, il faut savoir que tous les messages passent en examen. D'accord? Et là, qu'est-ce qui se passe? Lorsque vous allez écrire le message, vous n'allez pas le voir apparaître. Ce n'est pas la peine de le réécrire 5-6 fois. Attendez, parce qu'il y a une mise en examen, hein, pour que moi, je puisse aller regarder qu'est-ce que vous racontez, savoir si on n'est pas en train de se faire insulter, si on n'est pas en train de se faire incendier par des imbéciles ou quoi que ce soit, et pour permettre de garder toujours la qualité de la chaîne. Là, je vérifie si vous commencez votre message en disant bonjour, salut, coucou, ça va, okay, et je décide si le texte est correct, on le met. À partir de là, dès que votre texte apparaît, c'est que je l'ai lu. Tant qu'il n'y aura pas un petit cœur coché ou un petit pouce en l'air sous votre message, c'est que je n'ai pas encore prévu d'y répondre dans le petit café. D'accord? Lorsque j'ai mis le petit cœur ou le pouce en l'air, ça veut dire que ça y est, le message a été complètement validé et qu'il y a de fortes chances qu'il se retrouve dans le petit café. D'accord? Ludovic Ezerskorski. Waouh! Ezerskorski. Salut Ludovic. J'espère que tu vas bien. Coucou Benny. Alors c'est quoi ça? Pas prêt? Bonjour Marc-Éric, chez moi, il était 0h36 de Paris. Je suis ravi de vous voir en live. Je vais passer une bonne soirée. Et bien sûr, coucou à Jackson. C'est vrai, hein, il est jamais à l'heure. Non, mais c'est pas ça. C'est que, en fait, le live devait commencer à 11h. Et moi, à 10h50, j'étais en train de faire le test. J'ai à peine fait play qu'il y avait déjà 5-6 abonnés qui étaient en train de me dire salut, coucou, ça va? Et effectivement, Marc-Éric est arrivé comme d'habitude, hein, 2 minutes avant le live, parce que monsieur, quand il arrive, il faut que tout soit prêt, les lumières, les trépieds, les batteries chargées, tout, tout, tout. Hein, lui, il arrive, puis c'est le prince. Et voilà, ben voilà, c'est bien fait, Marc-Éric, tu te fais engueuler. Bernard Maryse nous dit bravo, Sandrine. Bravo, Sandrine. Sandrine, ma femme, hein, effectivement, était hier aussi dans le live. Et à un moment, on l'entendait crier Macho! En parlant de Marc-Éric, et voilà, bravo. Encore une fois, Marc-Éric, pam! Moi, je crois que Marc-Éric va partir avec un piercing car la belle Jackson te surveille de près. C'est vrai que Jackson était particulièrement énervé hier, mais on rappelle quand même qu'on était en pleine lune et que ça joue sur le comportement de vos oiseaux. Regardez aujourd'hui comme elle est calme. Hein, elle est calme, mon bébé. Elle est calme, mon amour. Oui, un bijou à papa. Fais un petit bijou à papa, mon bébé. Fais un bijou à papa. Oh, mon petit que je t'aime. Ben oui. Ananas masqué. Il faut commencer l'apprivoisement d'une calopsite à partir de quand? Ma calopsite s'appelle Sisouk et elle a 4 mois, le plus tôt possible après le sevrage. Donc, en général, on parle de 2 mois et demi à peu près, 2 mois et demi, 3 mois. Tac, là, vous pouvez commencer tout de suite l'apprivoisement. Laissez l'éleveur sevrer votre oiseau. D'accord? Ce n'est pas votre travail. Ne sevrez pas un oiseau si vous n'avez jamais fait ça de votre vie. Ça peut d'une être très dangereux pour sa santé. Et secondo, vous ne devez pas créer un lien maternel avec votre oiseau. Vous devez créer un lien de partenaire. D'accord? Parce que dans la nature, l'oiseau doit se séparer de sa maman. Il ne faudrait pas qu'il ait envie de se séparer de vous quand il va sentir qu'il n'en a plus besoin. Oui, je t'aime, mon amour. Je t'aime. Ilner, salut la chaîne, j'espère que tout va bien pour tout le monde. Et super le débat d'hier. Voilà, j'ai une petite question concernant un perroquet que j'ai vu à Bruckmann, une animalerie en Belgique. Et d'après la personne qui s'en occupe, Assacol, le nom du perroquet, Assacol, est un dieu du Gabon âgé de 16 ans, serait atteint de MR, Mutism Regard Oblique, à la descente des Pays-Bas. Apparemment, c'est une maladie très grave et très difficilement soignable puisqu'elle relève de la psychiatrie. D'où ma question, existe-t-il vraiment des traitements psychiatriques pour les perroquets ou animaux en général? Alors, vous le savez, on doit poser des questions à un vétérinaire spécialisé aviaire. Normalement, ça devrait se faire la semaine prochaine puisque Marc-Éric est en congé. Et donc, c'est une question forcément qu'on va lui poser. Encore une fois, lorsqu'il s'agit de questions pointues, je ne suis pas vétérinaire, donc je ne me permettrai pas de répondre à cette question. Nous allons entendre que le vétérinaire le fasse pour nous.
Donc reste aux aguets. On va avoir un spécial, mais ce ne sera pas dans un café de toute façon. Ça sera réponse à vos questions avec notre vétérinaire. Et puis là, tu verras que ta question sera parmi celles posées. Martina nous dit bonjour, bénis la belle Jackson. Je regarde toutes les pubs pour la cagnotte. Quelle cagnotte, hein? Bienvenue à Fabien. Bienvenue, Corentin. Désolé pour ton gris. Ta vie n'a pas été facile, mais on est là avec toi tous maintenant. Bisous, mon grand. Merci, Béni, pour ton sourire, ta joie de vivre. Je t'adore. Naturel, hein, comme sourire. Fabien, coucou tout le monde. J'aimerais savoir à quel âge il faut faire les vaccins pour un araouna. Ben, normalement, à 2 mois déjà, là, dès qu'il est sevré, là, bing, tu peux faire les vaccins. Et il semblerait, hein, j'ai quelqu'un qui m'a écrit, c'est Mérodo. Moresby m'écrit qu'en France, en Europe en tout cas, c'est pas que le vaccin n'est pas obligatoire, c'est que les vaccins contre les 4 maladies ne sont pas commercialisés en France, tout du moins. Pas commercialisés, c'est incroyable, incroyable, incroyable. Pourtant, je peux vous dire qu'on retrouve les mêmes, on peut retrouver les mêmes virus en France, hein. Wassil qui m'écrit, bonjour, je voulais savoir si c'est normal que mon perroquet veut que je touche à aucune de ses affaires. Merci. Oui, c'est normal. Le perroquet est très possessif de ce qui lui appartient, de ce qu'on a mis dans sa cage. Autant il va mettre 2 à 3 jours des fois pour s'habituer à un nouveau jouet, à un nouvel accessoire. Autant une fois qu'il s'est approprié de cet accessoire, c'est à lui. D'accord? Et dites-vous bien une chose, le perroquet est un animal sauvage qui restera toujours avec cet instinct sauvage. Vous voulez créer un lien avec lui, vous allez réussir à créer un lien avec lui. Il va y avoir des moments où il y aura des câlins. Mais dites-vous bien qu'à chaque fois, c'est parce que lui, il en a envie. Le perroquet, que vous le vouliez ou non, est intéressé. Il veut toujours son plaisir, son bonheur, avant tout. D'accord? Et donc, son bonheur, c'est ses jouets. Tu touches pas à ses jouets. T'as beau être son maître, et ça beau être son maître depuis 25 ans, ses jouets, c'est ses jouets. D'accord? En plus, si jamais tu le taquines avec ça, si jamais tu vas contre sa façon de penser, tu risques de créer une agressivité, etc. Donc laisse faire. Puis qu'est-ce que t'as? T'as envie de monter sur son perchoir? Tu veux croquer ses morceaux de bois? Pour que... Tu ne touches pas. Tu touches pas, ok? C'est comme ça. D'ailleurs, on avait un perroquet la semaine dernière qui avait appris par son maître touche pas. Et puis maintenant, c'est quand lui il veut lui faire les angles, il fait touche pas. Donc non, on ne touche pas. Faut savoir une chose, c'est que les perroquets ont des TOC, hein, troubles obsessionnels du comportement. Et c'est parce qu'ils ont des TOC que justement, on peut très difficilement aller à l'encontre de ça. En plus, ils ont un côté très bipolaire, donc très caractériel, possessif. Bref, quand tu écoutes ce que je suis en train de te dire, tu te dis, mais c'est une catastrophe cet animal. Oui, c'est une catastrophe. Mais voilà. Hein. Et encore plus quand c'est une femelle, c'est beaucoup plus, c'est encore plus de, c'est plus difficile quand c'est une femelle parce que elle a ses périodes, elle a l'envie de pondre, l'envie de copuler. Enfin bref, on sait tous de toute façon avec, c'est comme ça. Donc pour les nouveaux abonnés, peut-être que vous n'allez pas toujours comprendre, mais il se trouve que on s'amuse beaucoup sur cette chaîne. Et on a une coalition qui s'est formée avec Sandrine Bénézé qui a commencé à créer un groupe des Power Girls contre les hommes de la chaîne. Hein. Alors pourquoi je parle de ça? Parce que je suis en train de parler des femelles perroquets. Mais c'est exactement la même chose. On a un groupe de filles. Hein, puis alors là, on en a une en particulier qui s'appelle Devlin. Hein, elle est de Belgique. Hein. On a un groupe de filles complètement bipolaires. Elles sont malades, les meufs, mais vraiment malades. Et puis, elles ont une agressivité incroyable, mais pire que des perroquets. Je vous dis, c'est plus un bec qu'elles ont, c'est terrible. Et ce qui est encore plus terrible, c'est que elles essaient d'entraîner avec elles un maximum d'abonnés. Donc, je suis obligé de vous mettre en garde contre ces folles dingues. Elles sont complètement incroyables. Bipolaires, ça, bien sûr, elles sont bipolaires, hein, parce qu'un jour, elles disent Béni, on t'aime, Béni, on t'adore. Elles manquent aucun de mes cafés. Vous voyez? Donc là, tu te dis, bon, ben, elles t'aiment, tu vois. Elles regardent tous les cafés. Elles suivent chaque petit moment. Elles vont chercher chaque petit détail, chaque petit mot, hein. Puis tu vois, Devlin, là, pour te dire, hein, elle aussi, hein, ça fait partie de la force obscure de l'équipe de Sandrine.
Elle va même jusqu'à dire, j'arrive un peu à comprendre les expressions québécoises, faites attention à ce que vous dites, toi. On doit faire attention. Hein? Alors, l'agressivité de Sandrine, maintenant, elle est connue de tout le monde, hein, parce que ça fait deux, trois fois que j'explique à quel point elle peut être agressive. Et donc, elle emmène avec elle dans son sillage des filles, mais elle amène aussi des gars. Il y a des gars qui malheureusement, commencent à tomber avec elle. Et puis voilà, on va se retrouver, en fait, juste Jackson et moi, ça se trouve bientôt, avec tous les abonnés sur le dos à cause de Sandrine. Parce qu'elle arrive, tel comment on appelle ça, le personnage principal de Game of Thrones, avec ses dragons, elle arrive et puis direct, elle parle aux gens, puis elle fait « Vous allez venir avec moi !» Je vous le préviens, si vous ne me suivez pas, ça va faire mal. Et puis, c'est pas Bélier qui va nous faire changer d'avis. Alors, je veux le dire, suivez-moi. Oui, il y a toute une agressivité qui est là. On sent une force incroyable. On sent une méchanceté. T'es. Et puis, puis, ça marche. Et puis là, du coup, ben, elle a payé des paparazzis. Elle a payé... elle les paye. Moi, on ne parle pas d'argent ici. Moi, je vous dis qu'elle les paye. C'est pas possible. Parce que Devlin a carrément réussi à aller prendre des photos compromettantes pour la chaîne. Parce que parmi nos abonnés, c'est pour ça que je n'ai pas salué Laurent Delicato tout à l'heure, on a Laurent, hein, qu'on appelle le patron. Hein, c'est le patron, le big boss, c'est-à-dire celui qui fout le moins de choses, mais qui est tout le temps là en train d'ouvrir sa gueule. Et, et voyez-vous, elle a réussi à prendre une photo de Lolo en train de patiner avec Bisoulov. Vous voyez ? Lolo et Bisoulov. Imaginez toute la peine que j'ai pu avoir. Déjà, j'ai perdu Bisoulov courant de la semaine. Les filles m'annoncent que Bisoulov est de leur côté, que voilà, elles ont Bisoulov avec elles. Et là, moi, je me dis, bon, ben non, tu vois, heureusement, avec Laurent, tu sais, c'est le patron, c'est sûr qu'il m'aime, Laurent, tu vois, il est là depuis le début, puis j'ai toujours respecté Lolo, j'ai toujours respecté son perroquet, Yoda et tout ça. Il va pas me lâcher. Regardez la photo. Regardez ça. Regardez comme ils ont l'air heureux. Regardez le bonheur qui se dégage de cette image. Comment t'as pu me faire ça, mon Lolo? Mais comment t'as pu me faire ça? Alors toi aussi, tu passes du côté obscur. Alors là, tu vois, là, c'est quand même incroyable. J'en reviens pas. Donc voilà, pour tous les nouveaux abonnés, je vous demande de vraiment faire très très attention quand vous voyez des noms comme Sandrine Ménézé, comme Magali Garnier, comme Nathalie Gadebois, comme Devlin, hein, Dave Hall, comme de toute façon, je suis sûr que Gabi Lazambi, que Michel Poix, que Catherine Dossi, Manon Jeté, j'ai encore des doutes. Je me dis qu'elle m'aime trop, Manon, mais je suis tellement malheureux. Je pensais que Lolo ne me lâcherait jamais. Imaginez si Manon m'abandonne. Il me restera qui, moi? L'oncle Dan? Qu'est-ce que je fasse avec l'oncle Dan? Alors... Enfin bref, j'espère que ça, on va se ressaisir et puis que l'amour va reprendre le dessus, hein, puis qu'on va arrêter avec ce côté obscur. Allez, vous le savez à chaque fois, Bisoulov est là pour la fin de notre café. Alors, ben aujourd'hui, Bisoulov, elle est en voiture, elle conduit avec Lolo. Ben oui, ben maintenant qu'on sait qu'ils vivent ensemble, hein, maintenant qu'on sait qu'il y a une vraie relation amoureuse entre eux, et ben Lolo va faire partie de l'histoire, forcément. Donc, Bisoulov et Lolo sont en voiture, Bisoulov conduit, et là, pam, il y a un pigeon qui passe, il chie sur le pare-brise. Alors là, Bisoulov, elle voit ça, puis elle dit à Lolo, il faut que je descende pour essuyer, pour l'essuyer. Et puis là, Lolo, il regarde dans le ciel, elle se dit, oh, non, laisse tomber, il est bien trop loin. Ah ouais, Lolo, tu l'as voulu, tu l'as cherché. Hein, Jackson, il est con, Lolo, hein. Lolo, il va aller essuyer le cul du pigeon. Hein? Ben oui, on comprend pourquoi il tombe amoureux de Bisoulov. Quel beau couple. Hein, ma fifi? Tu dis bonjour aux nouveaux abonnés, mon bébé? Viens voir. Voilà, viens voir, regarde. Bonjour les nouveaux abonnés, coucou tout le monde. Alors dis à tout le monde, attention, si vous voulez écrire à mon papa, vous écrivez à multitaskman777 @gmail.com, multitaskman777@gmail.com.
N'oubliez pas, si vous aimez ce qu'on fait avec mon papa, de lever les pouces en l'air. Allez, tous les pouces en l'air en cliquant sous la chaîne, sous la vidéo, hein, les pouces. Partagez la vidéo avec le maximum de vos amis sur Facebook, Instagram, Twitter, enfin bref, tous les réseaux sociaux, quoi. Et puis bien sûr, si vous n'êtes pas abonné, hein, c'est maintenant qu'il faut y aller. Abonnez-vous, soyez des multitaskmen vous aussi. On vous souhaite bien sûr une excellente journée, une excellente semaine. Il s'agissait de votre petit café du lundi matin. Ici, nous avons changé d'heure, donc ça y est, on est revenu à la normale avec la France. Et l'Europe entière en a toujours 6 heures de décalage depuis cette nuit. Donc voilà, pendant tout l'hiver, 6 heures de décalage entre la France et le Québec, et entre le Québec et Tahiti, parce que je sais que j'ai des gens de Tahiti qui me regardent, et j'ai ma grande sœur qui est là tous les jours à regarder le petit café, que j'embrasse très très fort, ma grande sœur Florence, qui m'a regardé de Bora Bora. Ça va, ma vie n'est pas trop difficile pour elle. Bora Bora, à l'arrivée d'une course mythique de pirogue qui s'appelle la Hawaii Kiwi. Ma sœur m'écrit hier pour me dire, écoute, c'est à quelle heure ton live à Tahiti? Parce que tu parles de Paris et du Québec, mais ici, ça sera à quelle heure? Et elle s'est levée à 5h du matin pour pouvoir regarder notre direct hier. Donc voilà. Oui, enfin, un gros bisou à Tati Florence. Bisous, Tati Florence. On dit, je t'aime. Je t'aime, Tati Florence. Ben oui. Ben oui. Allô. Allô, Tati Florence. Dis coucou. Allez, Jackson. Dis coucou. Coucou. Non, c'est pas poète. Coucou. Ben oui. Salut, Florence. Bisous, Florence. Bisous, je t'aime. Voilà. Bye bye, à demain, si vous le voulez bien.